Nous affirmons donc que la sociologie est une science comme les autres et qu'elle rencontre des difficultés particulières du fait qu'on tend à lui contester le droit d'être une science comme les autres. Et ceci est vrai, au fond, aux trois niveaux où agit la pratique scientifique, c'est-à-dire, comme nous le disait Bachelard, au niveau où le fait scientifique doit être conquis, au niveau où il doit être construit et au niveau où il doit être éprouvé, mis à l'épreuve des faits. Nous avons affirmé contre l'illusion de la transparence que la sociologie doit être une science expérimentale. Au niveau de la construction du fait, il nous faudrait maintenant affirmer contre l'illusion positiviste que les faits, il suffit de les constater, c'est-à-dire que les faits sont des données, il nous faudrait maintenant affirmer que la sociologie est, enfin peut-être, doit être une science théorique. Oui, il y a en effet tout un tas de raisons enfin, qui convergent pour inciter le sociologue à l'illusion du constat, c'est-à-dire à l'illusion que son objet lui est donné, tout fait, tout préparé dans la réalité même. Avant d'examiner ces différentes incitations enfin, à l'illusion du constat, il faudrait essayer peut-être de définir ce que signifie la notion de construction dans le cas particulier de la sociologie. Et pour cela, je crois qu'il suffirait d'un exemple. L'expérience quotidienne du social nous donne, en ordre dispersé, des phénomènes tels que l'écoute de la radio, l'écoute de la télévision, l'assistance à un concert, la fréquentation d'un musée, la compréhension du langage d'autrui, la compréhension de la civilisation d'une autre société, d'individus appartenant à une autre tradition culturelle, et tant d'autres phénomènes, l'emprunt culturel, le fait, par exemple, qu'une civilisation emprunte à une autre une manière de vivre ou un ustensile, etc. Tous ces phénomènes, profondément séparés au niveau phénoménal, enfin au niveau de la perception commune du social, me paraissent constituer un seul et même objet construit. Bon, cet objet construit, on pourrait par exemple l'appeler culture, c'est-à-dire que dans tous les cas, qu'il s'agisse de comprendre une œuvre d'art ou de comprendre l'individu d'une civilisation étrangère, il s'agit dans tous les cas d'engager une médiation, d'engager un code par exemple, pour employer un terme simple, qui est ce qui permet le déchiffrement de cette œuvre. Bon, on voit là un exemple de construction d'objets qui apparente, enfin la sociologie, qui s'apparente aux constructions d'objets que réalise la science physique. Et dans une certaine mesure, de la même façon, et je dis bien dans une certaine mesure et toute chose égale d'ailleurs, de la même façon que Newton enfin, rapprochait des phénomènes séparés phénoménalement, à savoir la chute des corps, le mouvement des planètes et le mouvement d'un projectile, de même, le sociologue cesse d'être l'objet, enfin, d'être manipulé en quelque sorte par son objet, cesse de se laisser imposer son objet par la réalité objective lorsque il substitue une théorie, disons, de la communication à la pure et simple description de phénomènes aussi disparates que ceux que j'ai énumérés. Oui, toujours avec cette différence qu'il est infiniment plus difficile d'apercevoir et surtout de mettre en œuvre la distinction entre l'objet réel, l'objet qui se donne à la perception, et l'objet construit, au terme et à travers un travail théorique, par exemple, en sociologie que dans les autres sciences. Enfin, autrement dit, ce serait à peine la peine, si nous entendions parler des sciences de la nature, enfin, de montrer que le physicien ne travaille pas sur les objets de la perception, et qu'il les construit en rupture avec les objets de la perception, c'est fait depuis le XVIe siècle, par exemple, dans l'histoire de la science physique. Mais le problème qui nous occupe, c'est justement qu'en sociologie,
chacun est persuadé que ce sont ces objets aisément reconnaissables. Les gens prennent des vacances, il y a des jeunes et ça pose des problèmes parce que les jeunes sont délinquants, en tout cas il y a de jeunes délinquants. Ces objets qui se donnent directement et puis surtout qui se donnent avec tout le poids de ceci, qu'ils apparaissent comme des problèmes sociaux urgents à résoudre, font que, puisqu'ils sont des problèmes sociaux, on a la demande publique tend au fond à les repasser aux sociologues comme objet sociologique. C'est la confusion entre problèmes sociaux et objets d'études sociologiques. Il faudrait affirmer assez fortement que les problèmes sociaux ne sont pas en tant que tels les objets construits du travail et de l'explication sociologique. Oui, donc c'est tout un ensemble d'objets préconstruits qui ont reçu une définition sociale et dont la sociologie d'ailleurs peut rendre compte, que la réalité sociale propose aux sociologues. C'est-à-dire que la réalité sociale s'avance vers le sociologue avec en quelque sorte la prétention à détenir sa propre théorie. C'est pourquoi la rupture avec cette théorie qui est en quelque sorte inhérente à la réalité sociale suppose un coup de force théorique, enfin beaucoup plus difficile, nous semble-t-il, dans le cas de la sociologie. Difficile en ce sens qu'il ne demande peut-être pas, enfin cet héroïsme qui est la rupture avec la géométrie euclidienne dans les géométries non euclidiennes, c'est pas une rupture aussi éclatante du point de vue théorique, mais c'est une rupture toujours recommencée. Et je crois que là, il faudrait parler du langage, parce que si la rupture avec la sociologie spontanée et l'effort pour construire les problématiques proprement sociologiques, on n'en a jamais fini en une fois, c'est-à-dire que dans tout travail, à tous les moments d'un travail de recherche, il faut sans cesse remettre à la question les idées sur lesquelles on pense, les mots qu'on emploie pour penser, etc. C'est parce que la tâche de rupture et de construction est une tâche qui, en sociologie, est toujours à recommencer contre les infiltrations de la sociologie spontanée qui passe par le langage. Le langage étant ici l'instrument de cette infiltration de la sociologie spontanée dans le discours savant. Oui, alors, et le discours savant reprend à son compte un certain nombre de catégories de découpage de la réalité. Par exemple, il existe une division du travail sociologique selon les catégories de sociologie du travail, sociologie du loisir, sociologie des moyens de communication moderne, etc. Autant d'objets qui sont communs au sens commun et à la science qui devrait être en rupture avec le sens commun. C'est un peu comme si on affirmait dans les sciences physiques que la vraie classification des sciences physiques se fait entre sélénographie, océanographie, géographie, aux sciences de la Terre, par exemple, c'est-à-dire selon les objets réels qui, en tant que tels, appartiendraient en propre à une discipline et la définiraient. C'est ça. Et alors, plus profondément, c'est tout l'ensemble des schèmes de pensée qu'utilise le sens commun pour rendre compte de ses expériences sociales que le sociologue risque toujours de laisser s'introduire dans sa science. Et, par exemple, le vocabulaire, enfin, charrie tout un ensemble de présupposés sociologiques. Le sociologue doit donc opposer une vigilance particulière contre toutes les infiltrations du discours commun et de l'expérience commune du social. En effet, le discours commun s'impose avec une force tout à fait particulière dans la mesure où les objets préconstruits qu'il propose ont pour eux toute la force que leur donne la société qui les véhicule. Lorsque le sociologue reprend le concept de loisir, c'est tout un ordre social enfin, qui est derrière ce concept et qui le lui propose. Et d'autre part, les notions les plus élémentaires enfin, de la sociologie sont toujours chargées d'une philosophie du social, qui est celle du sens commun. Il y a peut-être même une raison intrinsèque à ce pouvoir de la sociologie spontanée en sociologie, c'est que les objets sur lesquels travaille le sociologue, ce sont après tout des gens, et ils ont donc cette particularité qu'ils parlent, et qu'ils parlent beaucoup, et comme les faits du sociologue sont des objets qui parlent, la tentation est évidemment très grande de les écouter parler, c'est-à-dire de les prendre au pied de la lettre. Oui, je crois qu'il ne faut pas hésiter à dire que c'est peut-être la malédiction de la sociologie d'avoir affaire à des objets qui parlent. En effet, c'est l'illusion même du constat qui est incarnée dans l'expérience première de la situation expérimentale telle qu'elle se présente au sociologue. Le sociologue est quelqu'un qui observe, le sociologue est quelqu'un qui interroge et quelqu'un qui enregistre.
Bon, tous ces actes fondamentaux enfin, de l'observation enfin, scientifique en sociologie semblent véhiculer enfin, avec eux une certaine épistémologie spontanée qui est un positivisme. Et je crois qu'il ne serait pas forcé de dire enfin, que, étant donné le rapport particulier que la sociologie entretient avec la forme commune enfin, de la sociologie, c'est-à-dire avec la sociologie spontanée, elle est en quelque sorte condamnée à osciller perpétuellement entre deux obstacles épistémologiques fondamentaux et entre deux formes d'erreurs épistémologiques. D'une part, l'intuitionnisme qui est dans le prolongement de l'illusion de la transparence et de l'illusion de l'immédiateté, et d'autre part, le positivisme qui est dans le prolongement de l'illusion du constat, de l'illusion que les faits sociaux sont des données dont on peut économiser la construction. Oui, et là, les instruments professionnels du sociologue sont aussi, d'une part, inévitables, mais d'autre part, dangereux dans la mesure où mal utilisés, c'est-à-dire utilisés sans vigilance épistémologique, ils tendent à renforcer cette deuxième illusion. C'est-à-dire que si l'on pense à ce qu'est un questionnaire, à ce que sont les entretiens, entretiens dirigés ou entretiens non dirigés, c'est-à-dire situations où le sociologue dit aux gens de parler et puis il les écoute, il enregistre. Si on pense à ce que sont ces instruments de recueil de l'observation, enfin qui font quand même une part importante du travail sociologique, on voit que faute de se demander, étant donné la théorie de l'objet ou étant donné la théorie de l'instrument, ce que les instruments font à l'objet, le sociologue est professionnellement porté, dans la mesure où il ne contrôlerait pas l'exercice de son métier par un questionnement épistémologique, il est quand même menacé perpétuellement de croire qu'il suffit d'aller demander aux gens qui agissent ce qu'ils font, pourquoi ils agissent, pourquoi ils font une chose plutôt qu'une autre, pour construire par cela seul la science de ses comportements. Oui, et pour montrer enfin à quel point il est difficile de trouver les antidotes enfin, à cette sorte de maladie infantile enfin, inhérente à la pratique sociologique, je voudrais prendre un exemple. Bon, soit une question tout à fait naturelle s'agissant d'une enquête sur le travail. Il s'agissait d'une enquête au cours de laquelle on demandait à un échantillon d'individus prélevés dans différentes régions de l'Algérie, avez-vous travaillé aujourd'hui ? Et à l'analyse, on observait que entre des individus habitant les régions kabyles et des individus habitant le sud de l'Algérie, c'est-à-dire les régions présahariennes, on observait des différences très grandes dans le taux de gens qui répondaient oui ou non à la question, alors que, objectivement, la situation économique des deux régions était à peu près équivalente. Bon. Alors, devant pareille contradiction, enfin, entre la réalité objective et les réponses des sujets, le sociologue aurait pu conclure naïvement l'absurdité de sa question ou à la mauvaise foi des répondants, alors qu'en réalité, il s'agissait non pas de questionner les réponses, mais de questionner la question. Et c'est là l'illustration très précise de ce que nous avons tout au long appelé vigilance épistémologique. Et dans le cas particulier, il s'agissait de voir très précisément que les différences s'expliquaient grosso modo par le fait que les individus qui répondaient oui ou non à cette question se référaient implicitement à des philosophies du travail et du non-travail qui étaient plus ou moins éloignées de la philosophie du travail et du non-travail que le sociologue avait mis dans sa question. C'est-à-dire que dans la région kabyle où le contact avec la civilisation industriel et plus intense, les individus disaient « je n'ai pas travaillé » lorsqu'ils n'avaient pas travaillé contre un revenu en argent, c'est-à-dire lorsqu'ils n'avaient pas travaillé au sens où nous l'entendons, bon, et en quoi leur philosophie du travail était à peu près en coïncidence avec celle du sociologue, alors que dans le Sud, les individus pouvaient dire qu'ils avaient travaillé, lors même qu'ils n'avaient pas travaillé au sens où nous l'entendons, lors même qu'ils s'étaient contentés de remplir leur tâche d'homme, et pour un vieillard, par exemple, d'assister aux parlottes de village, enfin ce qui fait partie de la fonction d'homme, et ce qui, en ce sens, constitue un travail. Bon, on voit là donc comment
Le retour réflexif, enfin, sur la signification des instruments et sur l'efficacité propre des instruments est la condition de la construction réelle de l'objet, faute de quoi on construit l'objet sans le savoir, c'est-à-dire que l'objet préconstruit s'impose, ou bien il est construit selon des présupposés. D'ailleurs, c'est de toutes les opérations du travail sociologique qu'il faudrait redire la même chose, c'est-à-dire non seulement du fait de poser une question dans un questionnaire, mais de ces actes généralement présentés comme subalternes et du coup laissés souvent dans l'organisation de la recherche à un personnel lui-même subalterne, à savoir le codage, enfin, c'est-à-dire cet acte si simple qui consiste, pour que l'information recueillie soit susceptible d'un traitement statistique, par exemple, à la faire passer dans un autre langage, qui est celui, par exemple, qui permet de construire les tableaux ou aux machines de traiter ce matériel. Donc le codage l'acte qui semblerait le mieux illustrer l'image positiviste de l'enregistrement, le fait de faire un entretien non directif, c'est-à-dire d'aller chez quelqu'un et de l'écouter parler, de l'inciter à parler, et sans même donner de thème directeur à la conversation. Si l'entretien non directif enfin, jouit d'une telle faveur, c'est peut-être qu'il incarne prototypiquement l'image positiviste de l'enregistrement sans présupposé, alors que, de la même manière, il serait facile de montrer ce que signifie de différent du point de vue sociologique ce simple fait de parler sans direction, suivant le groupe social du sujet auquel on s'adresse, suivant l'image sociale qu'il se fait de l'enquêteur parce qu'il le situe aussitôt comme appartenant à son propre groupe social ou non. Autrement dit, c'est à propos de toutes les opérations du travail sociologique que la vigilance épistémologique, pour que le sociologue sache vraiment ce qu'il fait, doit engager ce questionnement théorique sur ce que sont les instruments et sur la manière dont on doit construire les problématiques en fonction de ce qu'on se demande. Oui, c'est-à-dire que le sociologue doit engager dans le moindre de ses actes techniques, fabrication d'un questionnaire, codage, analyse d'un tableau statistique, etc., bon, une théorie de la connaissance de l'objet, une théorie de l'objet et théorie de ce que c'est que de connaître expérimentalement l'objet. Bon, et par exemple, il est évident que si les sociologues confèrent à ce que l'on appelle les questions indirectes, c'est-à-dire les questions qui ont l'air de porter sur A alors qu'elles portent sur B, et qui aboutissent en quelque sorte à tromper l'enquêté. Enfin, si le sociologue confère à ces questions un privilège, c'est fondamentalement parce que il incarne dans le primat conféré à ces questions l'obéissance au principe de la non-conscience. Il faudrait en venir à dire positivement ce que signifie concrètement actualiser les principes d'une théorie de la connaissance du social dans les actes du métier. Pour prendre l'acte justement le plus rudimentaire, celui qui consiste, parce qu'on peut rarement l'éviter au niveau de la vérification, à faire un questionnaire et à faire passer un questionnaire, cela signifie des choses très précises. Par exemple, il y a des questions de questionnaire qui sont meilleures que d'autres. Alors, les questions, de fait, sont meilleures que les questions d'opinion, cela va de soi. Mais plus subtilement, peut-être, on pourrait affirmer que les questions indirectes sont toujours meilleures que les questions directes. Puis par question directe, il faut entendre des questions qui consistent à demander au sujet, finalement, d'être son propre sociologue. C'est-à-dire, si je m'interroge sur ce qu'est pour un individu donné l'expérience religieuse, je lui dirai quelle est pour vous, monsieur, votre expérience religieuse, est-ce qu'elle est mystique ou rationaliste, etc. Oui, on pourrait dire que la démarche là, naïve, serait de poser, de croire que l'on peut poser au sujet les questions que l'on se pose à son sujet. C'est ça, et par opposition. Et de lui poser telle qu'elle. Et par opposition, la question indirecte consisterait à demander, soit à observer des conduites, ce qui est toujours l'idéal, soit à saisir des indicateurs très indirects, par exemple le fait allez-vous à la messe en emportant un missel mettez-vous des cierges à la Madone, enfin, etc. C'est-à-dire qu'il faut éviter deux choses, oui. De demander au sujet les questions de poser au sujet les questions qu'il se pose consciemment, oui. Parce que ça consisterait à croire qu'il peut avoir accès subjectivement à la vérité de sa conduite, et éviter aussi de lui poser les questions que l'on se pose à son sujet. Autrement dit, il faut lui poser les questions qui se posent objectivement à lui,
Sans qu'il se les pose. Sans qu'il se les pose consciemment. C'est alors c'est pourquoi, évidemment, c'est tout honneur, c'est probablement faux, mais enfin, ce n'est que par référence au choix d'une recherche, à la connaissance, enfin, au degré auquel on a réussi à rompre avec les prénotions sur le sujet que l'on entend traiter, que les bonnes questions indirectes peuvent commencer à se dégager. Oui, dire c'est tout honneur, c'est parler enfin, de la sociologie comme les artistes parlent de l'art. Et en fait, je crois qu'il faudrait dire que la pratique adéquate, enfin, est une pratique dans laquelle le sociologue met en acte les principes fondamentaux de la théorie de la connaissance du social, souvent sans même avoir à se poser la question de ce qu'il fait, parce qu'il a si profondément intériorisé ses principes qu'ils sont devenus en quelque sorte son habitus, enfin, sa façon d'être. C'est ça. On pourrait dire que il y a tellement d'erreurs que l'on peut commettre qu'il faut quand même en éviter un certain nombre par un système d'habitudes mentales intériorisées. Parce que s'il fallait, pour éviter une erreur, à chaque fois en faire la théorie, ce ne serait pas possible. Par conséquent, ce que nous avons appelé théorie de la connaissance du social, cela ne commence à devenir efficace et actif que dans la mesure où c'est intériorisé comme posture intellectuelle. Alors, je crois que pour faire sentir enfin, ce que c'est vraiment que cette pratique de sociologue, il n'y a pas de meilleure manière que de raconter, bien sûr de façon très artificielle et rapide et sous forme de film accéléré, enfin, les différentes démarches d'une recherche. Alors, voulant faire cela, on peut, je crois, isoler immédiatement un certain nombre d'opérations. Bon, le sociologue se demande, qu'est-ce que je vais étudier? Je m'intéresse à la perception que les gens ont de l'œuvre d'art et je m'interroge sur les raisons qu'ils ont de fréquenter les musées ou de ne pas les fréquenter. Bon. Ceci dit, il fabrique un questionnaire. Dans ce questionnaire, il injecte un certain nombre d'hypothèses. Par exemple, il présuppose enfin, qu'il y a une relation entre le fait de fréquenter le musée et le niveau d'instruction, c'est-à-dire la culture qu'a reçue spécifiquement enfin, le sujet considéré. Ce qui veut dire que dès ce niveau-là, on n'oublie pas de mettre dans le questionnaire la question concernant l'appartenance sociale ou l'origine sociale, parce que si on n'avait pas en vue cette hypothèse théorique, l'hypothèse théorique d'une... Oui, on pourrait oublier de mentionner au niveau d'instruction. Il est très fréquent que dans ce genre d'enquête, justement, on l'oublie. Oui, par exemple, nous pourrions citer un nombre considérable d'enquêtes sur les étudiants dans lesquelles il n'était pas demandé quelle était la profession des parents, ce qui nous apparaît comme déjà un choix idéologique. Alors, il construit un questionnaire. Ce questionnaire, il l'administre à des individus. Il enregistre leurs réponses. Et ensuite, aussi, il analyse ses réponses. Bon, alors cette description, je dois dire, je l'ai faite volontairement positiviste. Enfin, et on trouverait dans beaucoup de manuels, enfin, de pratiques sociologiques, des descriptions tout à fait analogues à celles que j'ai faites. Alors, on peut évidemment s'amuser à la retraduire dans un langage épistémologique. C'est-à-dire, par exemple, là, dans ce qui en somme était présenté sous la forme appelée naïve, donc le premier moment, à savoir on mesure ce que font les gens. Il se trouve que ce qui a été mesuré, c'est la fréquentation du musée. Les gens le fréquentent ou ne le fréquentent pas. Alors qu'on aurait pu mesurer bien d'autres choses. Par exemple, en posant des questions comme « L'art a-t-il une grande importance dans votre vie ?»« Est-il pour vous la monnaie de l'absolu ?» Pourquoi pas. En posant des questions comme ça, on aurait aussi mesuré, parce que les gens auraient répondu oui ou non, il y aurait donc eu un taux de réponse oui, un taux de réponse non. Par conséquent, on voit là, en acte, comment les hypothèses théoriques, et finalement, donc les objectifs de la recherche, et les concepts qui la rendent possible, rapport... entre l'instruction et le comportement cultivé, etc., sont tout entiers présents à chaque fois dans les choix techniques qui font qu'on mesure une chose plutôt qu'une autre. C'est ça. Alors on pourrait montrer ensuite comment, pour continuer, enfin, la description de la série des opérations, enfin, les questionnaires reviennent, ils sont accumulés dans un laboratoire où ils sont soumis à une analyse, enfin, c'est-à-dire qu'on substitue à des réponses soit très fermées, du type « j'ai le baccalauréat », soit à des réponses très ouvertes du type « la première fois que je suis entré dans un musée, j'avais 12 ans, j'étais avec mes parents », etc. Des réponses donc très souvent très circonstanciées, on substitue des chiffres. Bon, ce qui permet ensuite un traitement statistique des données, et l'ordinateur renvoie au sociologue des tableaux de chiffres, c'est-à-dire que l'on voit d'un côté la profession, les différents types de professions, et correspondant à chaque type de profession, telle ou telle opinion.
Bon, alors on en conclut par exemple que plus on s'élève dans la hiérarchie sociale, plus on croit qu'on peut accéder à l'art sans préparation, oui. Ce qui est un fait d'ailleurs constaté dans l'enquête. Là aussi, puisque nous en sommes au moment du codage, on pourrait voir qu'il est possible de coder des choses tout à fait différentes. C'est-à-dire, pensons au codage le plus positiviste, enfin, qui prend au pied de la lettre les opinions des gens, on pourrait coder simplement le contenu des opinions, favorables, défavorables, enfin à ce niveau de généralité et d'abstraction, c'est une manière de coder. On pourrait aussi coder, puisque nous pensons à l'influence de l'origine sociale, le type de grammaire ou de lexique utilisé, oui. S'il s'agit de questions ouvertes où les gens ont fait des phrases, le type de grammaire utilisé pour parler de l'expérience artistique. Comme de nombreuses recherches l'ont déjà montré, oui, on peut même coder, pour donner un exemple limite, on peut même coder le fait de ne pas répondre. Oui, aussi, qui est pertinent par rapport aux variables. C'est ça qui peut être tout à fait pertinent. Donc, c'est au niveau du codage, par exemple, puisque c'est l'acte généralement considéré comme le plus annexe, que l'on verrait la présence de la théorie. Oui, donc on le verrait tout au long, c'est-à-dire que si ensuite nous passons à l'analyse des tableaux, à la recherche des relations, il est évident que un tableau ne parle pas, enfin il ne parle pas de lui-même, grâce à Dieu, déjà les sujets parlent assez et proposent assez d'hypothèses, les tableaux ne disent rien et ils ne répondent que si on leur pose des questions, c'est-à-dire que il faut avoir à l'esprit une hypothèse, enfin sur ce que peut bien vouloir dire une certaine distribution statistique pour que cette distribution parle. Donc, alors plus généralement, enfin si on accélère un petit peu le film, je crois que on voit très bien que dans une certaine mesure, on peut dire qu'une démarche sociologique complète va d'une théorie provisoire à une théorie confirmée ou rectifiée. Et je crois que ce serait une définition qu'admettrait assez facilement tout spécialiste des sciences de la nature. Enfin, bon. Alors, dans le cas, par exemple, de la fréquentation des musées, nous sommes arrivés, par exemple, à construire enfin, un modèle mathématique enfin, de la fréquentation du musée permettant de rendre compte des relations objectives qui s'établissaient entre le niveau d'instruction et l'intensité de la fréquentation. Bon, ce modèle mathématique qui permet de prévoir ce que sera par exemple le public des musées dans une vingtaine d'années. Bon, et plus largement, ce modèle, en partie par la vertu des mathématiques, se généralise assez facilement à d'autres domaines. Il faut peut-être ralentir un instant, surtout si l'on parle de modèle prévisionnel, parce que au moment de l'explication où on est arrivé ici, cette explication n'est pas encore du tout complète. C'est-à-dire qu'on a établi, par les moyens de la mesure, qu'il existe une relation statistique entre, d'une part, le niveau d'instruction des sujets et, d'autre part, leur rapport au musée, c'est-à-dire leur taux de fréquentation du musée. Ou plus simplement, enfin, que les gens vont d'autant plus au musée et, par exemple, s'arrêtent d'autant plus longtemps devant un tableau au cours de la visite, qu'ils appartiennent à des classes sociales plus haut situées dans la hiérarchie des formations scolaires. Mais cette relation statistique, seul un positiviste pourrait dire qu'elle explique le phénomène que nous avions à expliquer, parce qu'elle permet de le prévoir. C'est ça. Telle qu'elle est, elle reste un pur fait dont il faut encore rendre raison. C'est un fait dépourvu de signification. Et en ce sens, on voit qu'on peut donner au mot de compréhension un sens tout à fait autre que celui qu'il a dans l'opposition traditionnelle entre compréhension et explication. Comprendre cette relation... Et qui n'est pas du tout différent que du sens que le mot a dans les sciences de la nature. Oui, c'est rendre intelligible. Sans plus. Et on pourrait dire, dans une certaine mesure, que la sociologie comprend le mouvement des planètes et même, par surcroît, la fausse compréhension que ces planètes, que sont les individus sociaux, croient avoir de leur mouvement. Thank you.